Salut à tous, nouvelle vidéo de Darksiders 3. Comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente, il y avait un petit coin où on tombait juste avant. Là où on fait du Spider-Man en folie. Et en fait, y avait rien. C'était juste, il y avait le loquet qu'on avait ouvert, ça ouvrait une porte. C'était l'accès à la porte pour pas avoir se retaper tout le parcours. En revanche, là, il y a quelque chose, là. Là, il y a quelque chose. C'est aussi simple. Et en revanche, je comprends pas pourquoi il s'est pas accroché avant. Ah, en fait, il y a un passage. D'accord. Il m'a fait peur. Si, il m'a fait peur. Ok, il y a un passage ici. Alors cet endroit est énorme. Mais vraiment énorme, hein. Mais la balave, je crois que c'est là où en plus le War récupère son... destrier. Ah bah oui.
Ah oui, après on le retourne. Donc on va aller voir là-bas déjà. Sur le chemin, c'est ça. Donc, sauvez-moi! Et comment il a fait pour arriver là? Comment il a fait pour y survivre? Ça y est, a compris. Non, c'est pas bon. Oh la vache, l'enfoiré. C'est une bonne chose qu'il soit là-bas. Un de tes amis? J'en doute fort. C'était une question rhétorique, je sais. Par contre, tu as des ennemis. Je ne crois pas que ce soit moi qui le vise, maîtresse. Ah, ah, je l'attendais pas à la retomber. Et l'autre là-bas qui balance de loin. Ah,
On va retourner là-bas parce qu'il y a le passage là, j'aurais bien allé voir ce que c'est quand même. J'ai fait le chemin pour ça? Rien du tout, que dalle. Là, je veux du lourd, moi. Je veux de l'objet, là. Ah. Mais en fait, quand on est là, on n'en sort plus. Tu déconnes. On y vient, mais on ne le quitte pas. Toujours là. Artefact angélique au milieu des démons. C'est énorme. Les directions sont pas évidentes à gérer là-dessus. Petit changement de direction, c'est pas... ça manque de fluidité. Après, je les comprends, c'est pas forcément évident à programmer.
Ah, là, elle se place bien. Ah, mais c'est par là, le chemin. Attends, parce qu'il y a d'autres choses à voir, là. C'est super grand. Ok, pas de passage. Ce sera pour une prochaine fois, Johnny. S'arrêter, je sais pas. Tac. C'est pas celle-là. Cette petite descente à la mode Zeus. Non, y'a rien en dessous. Ah, mais y'a un passage au-dessus. Et là, y'a un truc, j'aurais juste voir ce que c'est. D'accord. C'est ça. On venait de là. Si j'ai le rime pour sauvegarder, ça m'arrangerait. Un petit coup de fin là, comme ça, bien, bien sec. Alors, on a un gros lourd là-bas, là on a le passage, bah... C'est tendu, hein. Parce que j'essaie d'avoir le bon moment. Mais non! Mais... Ah. Ah.
Ok, donc un truc là-bas. Non, ça, ça fait pas... Je pensais que ça refaisait le... C'est vrai que je les utilise pas. Mais franchement, enfin dans les fonctions, moi, j'utilise mon pouce à autre chose, en fait. Grande nuée de spectres. Je l'ai pas pris. Petit amas de spectres. Je crois qu'il y en a beaucoup. Il y a des trucs ici aussi. Et un jeu de Grim. Ah bah oui, effectivement, il y a des trucs ici aussi. On va juste descendre un instant, parce qu'il y avait un objet en bas. Il y avait deux objets en bas. On fait nos achats ? Pourquoi ? Ceci sera un rêve divertissant, comme vous voulez. Adieu. Ouais. Il y a tout là. 10 000. Non mais on a... On est trop bien servi là. Ceci sera un rêve divertissant pour chacun. Voilà, au moins celle-là. Comme vous voulez. Elles sont sauvegardées. Tac. Donc on a deux points d'attribut. C'est parti. On réfléchit même plus là. On réfléchit plus. Fais-les souffrir. Pardon. Donc, allez, fin de l'épisode. On se retrouve au prochain en direction de Colère. Allez, à plus. Ciao.